On s'est dit, faut une loi Lidl. Faut une loi Lidl qui fasse quoi ? Qui fasse reconnaître les troubles psychiques comme maladie professionnelle. Et donc, c'est parti de chez Lidl. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que chez Lidl qu'il y a du management agressif de cette manière-là, mais enfin, c'est une marque Lidl aussi. Moi, je crois à un moment, les sanctions, ça marche. Aujourd'hui, pourquoi les boîtes, elles veulent pas d'accident du travail ? Pourquoi quand on rentre dans des usines, des fois, il y a un grand panneau où il y a marqué 200 jours sans accident du travail ? Parce que quand il y a un accident du travail, on les fait payer au porte-monnaie. Je parle pour tous mes collègues, je parle pour Catherine. Dès le moment où il s'avère que Lidl est mise en avant, on regarde à deux fois. Je veux dire, Lidl vont, comme vous devez le voir, s'est affiché sur l'entrepôt, vont créer un nouvel entrepôt, donc des emplois. Un des premiers employeurs de Bretagne, ils ont su autour d'eux de tisser une toile d'araignée pour étouffer un peu tout ce qu'ils se permettent de faire.